Bonjour à tous. Donc c'est un grand plaisir pour moi et pour l'ensemble du personnel de l'EHPAD de Jardin des Tuileries de vous accueillir tous pour cette grande fête organisée par Muriel. Et je voudrais vraiment qu'on l'applaudisse fort parce que c'est une grande préparatrice, une grande organisatrice. Bien sûr, Muriel a été aidée par beaucoup de gens. Je les remercie chaleureusement. Vous savez que notre objectif, c'est d'apporter toujours plus de sécurité et toujours plus de qualité d'accompagnement à vos parents. Mais pour nous, la qualité, c'est aussi le bien-être, le plaisir, les émotions. Nous sommes un lieu de vie et nous voulons que cette volonté se concrétise au quotidien. Et l'ensemble des professionnels de la structure travaillent dans ce sens. Et je les en remercie tous. Aujourd'hui, nous sommes une grande famille, tous réunis. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Profitez bien et merci à tous. Voilà. Qui gère avec M. Costala, donc qui pilote cet établissement. Quatrième année, je crois, que cette kermesse, c'est un rendez-vous qui s'ancre véritablement dans la vie de l'établissement, avec, comme vous l'avez dit, la sécurité, le quotidien, mais aussi des moments festifs, autant avec le personnel, et je salue Muriel donc pour toute son organisation, également avec l'ensemble des bénévoles aussi qui participent avec le personnel de l'établissement à l'animation régulière. Les Jardins des Tuileries, comme vous l'avez dit, c'est un lieu de vie. Aujourd'hui encore plus que les autres jours, mais c'est 365 jours par an, tout au long de l'année, nuit et jour. On veille sur nos 56 résidents, on y est très attachés. Et je ne saurais dire que belle réussite à cette journée et à bientôt pour la 5e édition. Monsieur, nous pouvons...
Alors,